André de Vambèze, La pensée aux absents, 1927. Ce tableau se trouve à Saint-Quentin, au musée Antoine Écuyer. C'est un triptyque, un tableau en trois parties. À gauche, la lettre. À droite, les trous de but. Au centre, le souvenir. Le peintre montre sa fille, sa mère et sa femme. André de Vambèze a été soldat pendant la Première Guerre mondiale. Il a même été blessé. Ce tableau fait penser à la guerre. Il est sombre, il est triste. Chère femme, ma Cécile, merci pour les lettres que tu m'envoies. Je les lis le soir près du feu quand tout le monde dort. Ne t'inquiète pas trop pour moi et rassure ma mère. La vie ici n'est pas si difficile qu'on le dit. Dans ma zone, il y a peu de combats. Et dans les tranchées, nous sommes protégés des tirs allemands. Et puis, tu sais, les mitraillettes ne sont pas bien précises. Je n'ai pas vu de blessés graves depuis fort longtemps. Je pense beaucoup à vous à la maison. Prenez soin de vous. Embrasse ma petite Valentine pour moi. Je te serre contre mon cœur. Ton mari André. Ma chère maman, j'ai bien reçu ta lettre. J'étais content de lire que tu te portais bien malgré le froid. Tu écris que tu t'inquiétais pour moi parce que tu as lu que les Allemands utilisaient des gaz qui nous empoisonnent. Ne te fais pas trop de soucis, les rumeurs exagèrent beaucoup. Hier, j'ai assisté à un bombardement. Avec des camarades, nous étions dans un trou d'obus. Les obus ne tombent jamais deux fois au même endroit. Tu vois, je n'avais rien à craindre. Comme des enfants, nous restions à regarder les lumières. Je pensais au feu de la Saint-Jean auquel tu m'amenais quand j'étais enfant. Je pense souvent à toi. Essaie de ne pas trop t'inquiéter pour moi. Je t'embrasse tendrement avec cette lettre car je ne pourrai pas te serrer dans mes bras avant longtemps. Ton fils,
André. Nous sommes les sages.